Bonjour, je m'appelle Romain Conabé, je travaille aux Amis de la Terre. je vais vous parler je vais donner des éléments un peu plus généraux sur l'impact des grands barrages dans le monde, et je vais aussi parler de l'investissement, enfin de l'implication de la Banque Européenne d'Investissement, qui est la banque publique de l'Union Européenne et qui n'est pas très connue, dans cette ruée vers les grands barrages. Alors, à l'heure actuelle, alors qu'il y a 1,4 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, les grands barrages sont en fait souvent présentés comme une énergie, comme une source d'énergie propre et renouvelable. Et finalement, en fait, depuis les années 2000, on observe une recrudescence des investissements dans les grands barrages un peu partout dans le monde, alors même que c'était une tendance qui avait été largement, qui s'était largement ralentie dans les années 90, notamment suite aux différentes mobilisations de la société civile dans le monde, tant et si bien d'ailleurs que la Banque mondiale avait arrêté ses financements aux grands barrages pendant un temps et avait lancé la Commission mondiale des grands barrages qui a émis ensuite un certain nombre de recommandations sur les manières dont on devrait appréhender ce sujet, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Banque mondiale, par exemple, a augmenté ses prêts au secteur des grands barrages entre 1997 et 2008, elle est passée de 5,5 milliards à 11 milliards de dollars d'investissement dans les grands barrages. En ce qui concerne la Banque européenne d'investissement, que je vais expliquer un tout petit peu plus de quoi il s'agit, il faut savoir que c'est une institution qui est très ancienne, qui a été créée en 1958 par le traité de Rome. Et c'est finalement la banque publique de l'Union européenne, c'est-à-dire que c'est, cette banque-là fait ses investissements au nom des citoyens de l'Union européenne. Et c'est le plus gros bailleur public mondial, c'est plus important que la Banque mondiale. En 2010, la Banque européenne d'investissement a investi 60 milliards dans le monde, contre un peu moins de 60 milliards pour la Banque mondiale. Et en fait, 12% des investissements de la Banque européenne d'investissement sont régis par sont censés œuvrer aux objectifs de développement et de coopération de l'Union européenne, ce qui est notamment inscrit dans le traité de Lisbonne, à savoir l'éradication de la pauvreté, le développement durable et ce genre d'objectifs nobles et louables qu'on a l'habitude de lire dans les grandes déclarations internationales. Et une partie de cet argent, en fait, de la Banque européenne d'investissement est gérée via ce qu'ils appellent la facilité d'investissement, c'est-à-dire que c'est de l'argent de la Commission européenne. Et donc ça fait partie de l'aide publique, cet argent fait partie de l'aide publique au développement. Et quand on voit les conséquences que je détaillerai plus tard de l'investissement dans les grands barrages, on peut être un peu suspicieux sur les raisons pour lesquelles cette banque investit dans les méga-projets hydroélectriques. Par exemple, depuis 2003, la Banque européenne d'investissement a dépensé quasiment 1 milliard dans des infrastructures hydroélectriques, et en Afrique, les investissements dans le secteur des grands barrages représentent 30% de ses prêts au secteur de l'énergie. Alors même que dans le même temps, elle n'a pas consacré un seul euro à l'éducation et à la santé. Donc on voit un peu quelles sont les priorités d'une banque dont, comme je le répète, les investissements au Sud sont censés œuvrer aux objectifs de l'éradication de la pauvreté et du développement durable. La BEI, en fait, prétend que les grands barrages donc sont une énergie propre et que ça permet de fournir de l'énergie aux populations les plus pauvres. Et alors je vais revenir sur plusieurs choses, notamment les impacts globaux des grands barrages. Donc à la suite, comme je l'ai expliqué, de la création de la Commission mondiale des grands barrages. Désolé, je savais que ça arriverait. Donc à la suite de la commission, de la création de la Commission mondiale des grands barrages, celle-ci a écrit un rapport qui constitue la référence internationale à l'heure actuelle. Et dans ce rapport, je cite, il a été dit que dans de nombreux cas, le prix payé par les personnes déplacées, les communautés en aval et les contribuables, ainsi que le milieu naturel, pour s'assurer des bénéfices des grands barrages a été inacceptable, souvent inutile, particulièrement du point de vue social et environnemental. Donc ça, je te rappelle que c'est un rapport qui a été édité par la Commission mondiale des grands barrages, qui a été créée à l'initiative de la Banque mondiale. Donc on en profite. Quand la Banque mondiale a des initiatives positives, on ne se gêne pas pour en parler. Alors quelques chiffres sur les grands barrages. On estime dans le monde qu'il y a 52 000 grands barrages.
Et surtout, on estime qu'il y a entre 40 et 80 millions de personnes qui ont été déplacées par les grands barrages dans le monde, que 60% des rivières du monde sont impactées, sont lourdement impactées par les grands barrages, et qu'au total, il y a 472 millions de personnes qui sont directement ou indirectement impactées par les grands barrages. Un autre mythe qu'il s'agit de déconstruire, c'est celui qui consiste à dire que les grands barrages constituent l'énergie propre. Donc on dit que les grands barrages, par exemple, ne font pas de gaz à effet de serre. Alors je vais dire plusieurs choses là-dessus. La première, c'est que, notamment dans les pays tropicaux, en fait, les grands réservoirs d'eau qui inondent en fait des terres agricoles ou des forêts, la décomposition de la matière organique dans ces réservoirs d'eau crée en fait effectivement pas de CO2 mais énormément de méthane et de protoxyde d'azote qui sont respectivement 25 et 300 fois supérieurs dans leur pouvoir réchauffant au CO2. Et on estime qu'au minimum l'impact des grands barrages sur le changement climatique est de 4%. Et juste pour vous donner un élément de comparaison, 4% c'est supérieur au secteur aérien sur son impact sur le changement climatique. Par ailleurs, les pays dans lesquels sont construits ces grands barrages, et notamment les pays tropicaux, sont les pays en fait qui vont être le plus affectés par le changement climatique. Donc on voit en fait une recrudescence du financement des grands barrages dans des pays qui dépendent largement de cette ressource, qui sont énormément dépendantes d'une seule ressource d'énergie, et qui en plus vont être les pays les plus affectés par les impacts du changement climatique. Donc ces infrastructures, au final, vont finalement voir leur efficacité et leur capacité de production diminuer au fur et à mesure que les effets du changement climatique vont se faire sentir. Et enfin, une chose qu'on oublie toujours quand on parle de grandes infrastructures énergétiques, et là en l'occurrence des grands barrages, c'est qu'on oublie de calculer l'empreinte carbone de la construction du barrage, les kilos de ciment, les kilos de tôle dont on a besoin pour construire ces grands barrages. Et on oublie aussi très souvent de calculer les travaux de maintenance, c'est-à-dire qu'il y a de la sédimentation dans les réservoirs, donc il y a beaucoup, beaucoup de travaux de maintenance qui sont extrêmement chers et qu'on oublie très souvent de mentionner. Par ailleurs, en moyenne, toujours la Commission mondiale des barrages a calculé qu'en moyenne, les grands barrages coûtent 55%, dans 55% des cas, les barrages ont des grands surcoûts, donc beaucoup plus chers que prévu, et dans la même proportion des cas, ils ne produisent pas la quantité d'énergie annoncée. Donc en fait, on a des projets qui produisent moins que prévu pour plus cher. Voilà. Et une question qui est souvent largement ignoré, que les camarades qu'on a entendus tout à l'heure ont largement détaillé, à savoir le fait que la construction de grands barrages ne répond pas aux intérêts des populations. Et là, je vais me servir d'exemple de projet financé par la Banque Européenne d'Investissement, c'est à qui est destinée cette énergie. Donc en RDC, la Banque Européenne d'Investissement a financé la réparation de plusieurs barrages. La RDC, il faut savoir que c'est un pays dont la majorité de l'endettement en fait, a été causé par ces grands barrages. Et c'est un pays qui a aujourd'hui produit 2500 MW d'hydroélectricité, mais dont la population n'a accès à l'électricité qu'à hauteur de 11%. Alors même que les grands barrages, donc l'énergie hydroélectrique est tout le temps présentée comme la solution pour l'accès à l'énergie. En Ouganda, la Banque Européenne d'Investissement a financé un barrage de Bujagali qui, au-delà de toutes les conséquences sociale et environnementale dont je pourrais parler si vous le souhaitez par ailleurs, va nous fournir de l'énergie qu'à 5% de la population, puisque 5% de la population est connectée au réseau local et que rien dans le plan d'investissement n'est prévu pour connecter un plus grand nombre de la population à ce réseau local. Sans compter que l'énergie a un prix tel qu'en fait la majorité de la population ougandaise sera dans l'incapacité d'acheter cette électricité. Et je conclurai avec un barrage que énormément de gens présentent comme un exemple de développement durable. C'est le barrage de Nam Thung 2 au Laos. Ce barrage-là, 95% de l'électricité est exportée en Thaïlande. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus. Et c'est bien entendu un barrage
ou EDF GDF ou EDF à 40% du consortium. Et c'est ça en fait, et je conclurai finalement là-dessus, c'est que ces institutions financières internationales, pourquoi c'est important de regarder où elles investissent, c'est qu'en fait elles donnent des garanties. Ces prêts sont des prêts préférentiels et constituent des garanties. Et une fois que ces institutions rentrent dans, investissent dans ces projets-là, ça rassure les investisseurs privés et donc en fait ça fait un appel d'air qui permet ensuite aux autres investisseurs privés de rentrer, d'investir dans ce genre de projet. Voilà, merci beaucoup.